les crimes qui se dévoilent jour après jour afin de confirmer que l'organisation du régime d'Al-Hamadeyn au Qatar est une opération de ramassage et de démolition dans de nombreux pays du monde. Ce n'est pas seulement le Moyen-Orient ou la région arabe, mais les crimes d'Al-Hamadeyn vont au-delà sur le nombreux. Ces crimes qui sont parvenus aux oreilles du monde ont renforcé les revendications arabes, appelant à la responsabilité du régime qatarien pour ces crimes, ainsi que la validité de la position adoptée par les pays du Quatuor arabe, Saoudite et des Émirats arabes unis, ainsi que l'Égypte et Bahreïn. Avec le dévoilement de ces crimes subversifs, en particulier récentes révélations de New York Times sur l'implication du régime qatari dans l'exécution des attaques terroristes à la bombe en Somalie. Les pays du monde sont convaincus que les accusations portées par l'armée libyenne au Qatar et la Turquie concernant leur soutien aux milices, groupes armés et des groupes terroristes en Libye sont justes. Sur l'impact de ces crimes qui sont ouverts à tous, le porte-parole de l'armée libyenne, le général Ahmed Mismari, a affirmé New York Times avait confirmé l'implication des services de renseignement qatarais dans des attentats terroristes, en menant des attentats à la bombe dans l'État de Somalie et en soutenant des terroristes, soulignant que l'armée libyenne parlait du rôle du Qatar terroriste en Libye.